te bande ko balandi boza bisika nous vous en abisso pour leur pambo abisso à pambo labino na tanya sto ko passer ensemble na bino na cadre be mission abisso les leza matem moko purement évangélique pour na ko luka ko sunga mutu moko bo ebitona lo baka mutu moko. Je fais toujours allusion, il y a auto bengi le salut. Le salut, c'est le biko. Le biko, c'est toujours individuel. C'est-à-dire, tant que mutu moko a comprendre que l'on a zo loba, peut-être qu'il y a pas que qu'on aide pour mutu mususu, ainsi de suite. Puisque moi, je pense que, na batanyo soli ko passe na bino, et ça vraiment tout ça ko luka, ko kokisaka ka mokano ya maître Nkolo Nabiso Yeshua, le baki que, aller partout dans le monde et faites de toutes les nations des disciples. Bon, on y terme tout le bilo, tout le bilo. Nous voulons parler de se libérer, Tolobi, se libérer de la vanité. Ko mikangola na bowumbu ya makambo za pamba. La vanité, ba makambo ko leka, la vanité, makambo ko pesa bo moite, la vanité, makambo ezana tina te, la vanité, makambo oyo ezakaka pona tamoke, eza pona tamoke. Libère-toi de cette vanité. Nous allons prier. Yeshua, nous voulons te dire merci. Merci papa pour n'attendre ce repas, c'est nabiso na banayo. Je constate que mon corps n'a besoin de comprendre le message ou pas de transmettre dans mon souci. Tandis que croire peut pas tout mis de comprendre le message facilement, Seigneur. Car tandis que compliqué évangile là où tu te dis tout pèse à bon moi ou tu pèse à qui bise au Seigneur. Le corps la mute ou la zangi bon moi il va pèse un paiement. Donc il faut te transmettre bon moi ou pèse bise par cette parole, Seigneur. Yeshua na singi na yo zo contrôle ma camion sur le banatang ou yo. Sunga mutu moko azala réellement béni. En ton nom Yeshua, nous avons ainsi prié. Amen. Se libérer de la vanité. Toza komo na mokili ndenge za koleka. Toli komo na ndenge batu bali ko umela, bali ko vivre. Toli komo na ndenge batu bazali ko kobomana. Tandis que toli komo na ndenge babikolo ezali ko welana. Tali ko mona ndenge ba candidat ba ali ko wela bisika ba koma ba président ba koma ba député. Tali ko mona ndenge batu ba ali ko la mukana tango bazo kende misala. Tali ko mona ndenge batu ba ali ko mitungisa ba ko lia nini ba ko lata nini. Tali ko mona ndenge batu bazali ko manipuler ba ninga misusu. Tali ko mona batu ndenge ni ba ali ko pesa ba ali ko koma mitema makasi par rapport ba ndeko na bango. Tali ko mona ndenge batu ba ali ko koma même na jalousie na niveau ko jalousie ndeko na ye propre. Tali ko mona ndenge batu, c'est-à-dire batu bazali na auto bengi mutema to disposition mitema na bango. Et ça, plus égocentrisme. C'est-à-dire, moutaza ko mitala nan ye moko. Moutali ko tala bo mo ina ye. Aza ko tala bo mo ya ba na ye. Ali ko tala bo mo ya libota na ye. C'est-à-dire, batu, ba komi tellement égoïste que tu ko comparant on attend mo kote na mo kili oyo. Pourquoi? Puisque batu, bazali, ko kangama na biloko ya mo kili. Batu bazali ne spa komi pesa na makambo o ezali ya mpamba. Batu bali komi pesa na makambo o ezali superficiel. Batu bali komi pesa na makambo o ezali na tina te. Batu bali komi pesa makambo ezali lokoto benganga donc rosé ya tongo o ezali kolo ba fleur soki mwe bimi eli mwe. Batu bali komi pesa bref na vie ya vanité. Moi, je me pose une question. Pose-toi la même question. Osana Ajni Lelo. Opesi réponse. Selon yo, kotikal na combien de temps? Maximum. Opesi réponse. Selon yo, tant opesi maximum wana, yo moko mutu ko contrôler angoti na suka. Au PC réponse. Selon yo, ce qui s'y connaît, c'est que tant que vous pensez à yangote, mais au kei avant, c'est-à-dire au koufi avant. Est-ce que vous avez préparé pour n'attendre wana ou etikali entre lelo, ozo kangai, na jour au koufa? Question, au PC réponse.
Ce que vous avez vraiment d'assembo, vous avez vraiment franc envers Yomoko, vous avez vraiment correct envers Yomoko, comprendre que vie na yo, ils ont dépendre na yoté. Vie na yo, ils ont dépendre na biloko aux anangote. Vie na yo, ils ont dépendre na kitoko na yoté. Vie na yo, ils ont dépendre na makasi na yoté. Vie na yo, bref, ils ont dépendre na nzambe oyo apesa yo vie wana. Te pousse à la voiture. Qui d'entre vous a koukoué bisanga lelo? Moukoni n'a souka, a tchaki mou pepe na katia pneu à voiture nae. Qui d'entre vous a koukoué bisanga sikoyo? Na minute tozali, jour ni n'yoko tchaki mou pepe à voiture nae prochainement. L'heure, la date, okoué bangote. Pourquoi? Puisque zo dépendre na yote. C'est-à-dire tout ce qui n'est pas na contrôle ya mutu ata obunda ndenge nini yeba ke suka na yo koza ke soit oza ruiné ou bien au kufio tiki yango nyonso. C'est pourquoi na lobby libère-toi de la vanité. Ephésiens chapitre 4 verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur pensée. C'est-à-dire, l'apôtre Paul a zoluka a sa la distinction entre vie ya mwana na nzambe na vie ya mopagano to païen. Apôtre Paul a passé un message oyo na mutu oyo asi a comprendre makambo ya nzambe neti yo neti ngai. Apôtre Paul a passé un message oyo na mutu oyo azali prêt ya ko changer bo moyina ye neti yo. Apôtre Paul a passé un message oyo na mutu oyo soali bref azali informé sur la vie éternelle neti yo neti nga. A tozo mona ke na epandika nazaka ko énumérer chaque point par rapport à ce qui se passe aujourd'hui au komona que c'est plus facile ya yomoko ozokangai ozala capable n'est-ce pas ko comprendre que tant auto kominango makambo to ali komona est encore plus donc difficile plus bizarre que les kamakamo na tango ba Paul pour comprendre que Paul azaki qui presque âge boko na Yeshua mais na ebité na Ephésiens a tanga zo loba makambo ezaki après combien de temps. Et donc, supposons que Azaki n'a pas trentaine ou quarantaine. Ce qui est le plus important, Azaki n'a pas plus de 1900 et quelques années. C'est-à-dire, quelque part, ce qui est déjà dans l'époque où on a battu, selon la vanité de leur pensée. Posez-vous la question, la vanité, il y a tant que Paul. Na vanité lelo atesa la même définition mais tokomona que matérialisme est comme mingi lelo par rapport à hier. Combien de gens se chamaillent dans leur foyer na maison na kata banda kuna bango puisque moi ça lingi ba sac ya cher mobala lingi ba sapato ya cher. Combien de ma famille est disloquée puisque bana balingi biloko ya cher, papa lingi biloko ya moins cher, papa lingi biloko ya cher, moi ça lingi biloko ya moins cher. Combien de gens à propos de ma matériel baliko se disloquer tout ko se séparer pour na biloko wana. Puisque matérialisme est accroître et commis ma casse ko le kanata ya Paul ta Pierre na Jacques, ça dit biso to ali bana nzambe lelo to ali ba disciple ya Yeshua lelo to zali na intérêt n'est-ce pas ya ko comprendre makambo oyo nzambe asengi biso to exceller. Nzambe asengi biso to zala réellement ba to liko kende na direction ya vérité na ye. Combien de gens na début ya ba ministère na bango ba banda ki apparemment malamu. Combien de gens lelo ba transformer, ba changer façon na bango ko prêcher. Combien de batu lelo banda ko telemela makambu ya mabe ba comme lelo ko sa makambu mabe ko leka makambu o bango banda ko telemela. Nemba nzembo moko na lobby que
kala banda ekote ya batu batika ko langwa lelo yo koma ko langwa ko leka batu ba langwa ka sadi o komi champion ko langwa o komi avant même o leka o miyebi yo moko ozo kangai o miyebi o komi avant même o leka liboso pote ya batu o meli whisky o yebi place o chaka whisky na kati ya tiroir ya bureau na avant que le leka liboso a batu. Ce que je dis est une fiction tellement kambo yo to yoka to monape. To monape. Il y a un frère na mona qui est dernièrement abetlanga le solo kala azo pousse pasteur moko reconnu pasteur moko boye soit disant amunene na katia mokili to na katia Congo surtout. Na katia coffre à voiture na ye ba nini ba magazine pa coffre c'est-à-dire na katia valise na ye ba magazine pornographique ba ceux qui ba nini ceux qui ba benga ngoni ba CD à l'époque ba DVD pornographique après allez bien si frère non ça ce sont des choses que j'ai pris chez une famille dans une famille bazai qui na ba pratique wana alors faut ko tumbango quelque part. Et le frère à l'époque m'a dit que lui ne croit pas, il pense que c'est qui a yé moko mutuana. C'est pour dire quoi? Ce sont des gens qui, devant tout le monde comme ça, ils montrent elongi. Il y a mutu malamu, il y a mosali malamu, mais na sena ya ibi mabasalaka, na sima ya ibi mabasalaka. Ça m'a dit que c'est que la direction, il y a excellence, il y a vérité na yé. C'est-à-dire, toi baki sabonzambe, et non ko kit sabonzambe. Aujourd'hui, j'ai parlé avec deux de mes frères Nalobi, on parlait et je me suis même rendu compte que Barigola qui est bientôt seka qui n'ayango. Quand je parlais de d'être correct, d'être réellement comment dire nabonzambe, tomoni nakatia lilobanzambe, tomoni parce que histoire il y a Enoch Nalobi, Enoch avait été tombé la témoine nzambe et puis après a disparaître puisque nzambe l'évacuer. Et nous croyons que biso toi libre vivant le lot tant que toi libre toujours enlevé te c'est que tous ça nous na katia ma kambo yo na mokili o ezana katia na biso ce qu'on a message oyo et pèse biso ma kasi to longola ma kanisi na biso na la na biloko ezali li vanité na biloko ali ya kokufa to pesa ma kanisi na biso ma kambo ali ya nzambe ko pesa biso n'est pas ko faire avancer biso spirituellement pour na ko se libérer na katia vie à vanité. Petite question, tous les frères, nous avons des gens. Nous avons des gens, nous avons des bongo, nous avons des gens, nous avons des voitures, nous avons des libots, tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que nous avons senti que nous allons accrocher la vie à la vanité. Vie à vanité, la beza vie aux éphémères, vie oyo ezanga nango substance, vie oyo ezana na racine ya makasite, vie oyo ezali palpable aux yeux, mais vie oyo ezali kologlobe musika na nzambe. Siko tuninga question na sala ndeni pona kolongwa na kati ya vanité oyo ya biloko mokili. Po ozwa eloko mususu na kati ya bomo inayo, il faut rejeter moko. Bo comprendre nga bien. Makambo nzambe za ka schématique. Jamais Abraham ou Moïse plutôt que ya nzela moko na Yeshua ou Jésus-Christ. Ce n'est pas possible puisque chaque moto za na mission na ye. La Bible dit que Moïse était venu avec la loi, mais Moïse plutôt Yeshua est venu avec la grâce. C'est qu'ils a temps ba période d'où schéma nzambe za la ki que d'abord et puis, d'abord et après. C'est-à-dire, ce qui osana besoin, yako longwa na kati ya bowumbu ya biloko mokili oyo, yako longwa na kati ya bowumbu yako luka kozala na ebite, donc toujours meilleur que leka batu mususu, ko longwa na kati ya bowumbu yako kansa keno, tu dois amasser des millions pour la heureux to heureuse. Et bongi d'abord, o rejeté système, o rejeté conception wana ou esa éphémère conception wana ou esali que tu penses que quand tu vas amasser beaucoup de biens donc ça la heureux. Il y a des gens qui ont plus de biens que les cailloux peut-être fois 1000 basa heureux té basa na singoté basa na passile puisque avant bala la bamela kamasanga ba se drogaga pour pas comment bazwa un peu nini pona bango plaisir moko boye puisque ils ont tellement tout mais ils ne plus ils sont plus comment dire et comme le roi
normal azana mbongo bongo. Imagine toi quelqu'un qui est prince a botami na vie o akuti mbongo, a botami na vie o passe ezalakate, a botami na famille o ayebi que mbongo na ezalaki avant kazala kutu na âge adulte. Muta bongo ko luka mbongo te makoluka makambo mususu. Ça que j'appelle la vanité. La vanité. C'est que toi, tu recherches l'autre a, mais il recherche d'autres choses que toi, tu n'as même pas besoin. C'est-à-dire, Mouta, comme il a besoin, à l'entourer dans le bateau, pas mettre ma solo, à ses kakapo, mon ayoka bien. Mais entre-temps, il a tous les biens de ce monde. Je connais une histoire, je pense à l'anecdote. Il y avait une personne la personne avait tellement de biens, il avait tout ce que mutako koluka, azaki na voiture, azaki na ndako, azaki na mwasi, azaki na bana, azaki na musala ya malamu. Il gagnait bien sa vie, mais un jour alobi na muninga na ye nakusa ndeni pona zala heureux. Muninga na lobi que non tokende awa bakeyi, azaki toujours heureux. Alors, il y a un peu de temps à la kimia, à la nesengo. Moninga na epse bon, comme tu n'es qu'une simbite, tu es de sous côté moussous. Après, lobby, ah, si on a un peu de temps, moninga lobby que non, pose à la heureux, ngaï naibi koko edo le sousouté, na je sais pas, naido selon denga na koken, na kokeli, na koko, continue ko edo te, kende ko luka moutouana, à qui atine pas moussous, moutouana, c'est que vraiment, oye malamou, puisque ngaï naibi camarade moko, soto ke pana ye. Okoza la penza na kimia okoza na esengo. Bake pa kamaradi wana. Bako mi kamaradi wana lobi bon. Yo oza na problem nini. Abi non, naza na problem. Naza na nyonso o mutako luka. Naza na babia nyonso amokili. Me naza na kimia te. Naza na esengo te. Naza toujours mawa mawa. Naza na musala ya kitoko. Naza na mbongo ebele. Me naza na, naza ma, donc heureux te na mote manangayi. Na yebite na osa ndengi nini. Mouton a ébichié que Kobanga te ouye pas d'angaï, n'a copé sa solution. Donc, n'a pas quoi mi bongi ça, tout kende pas mouton a ébiké yé, surtout kéye pas na yé, a bandika kaba, ba ni na yé, ba spectacle na yé, ou comme na yé sengoumon a mouton a comprendre te. Après mouton a zaye na passe à tout ni, mouton a nani, abi mouton a zali clone moko, a zaka place bo place boui. Après, Moutouana n'a pas servi, mais clone en haut, ils allaient ngaï. Ils allaient ngaï de clone. Wana. Vous comprenez? C'est-à-dire, Moutouana a pas servi, c'est un goût apparent, et pas battu moussous, mais il y a moko à zangi kimé. Pourtant, la Bible nous dit, l'homme ne donne que ce qu'il a. L'homme ne donne que ce qu'il a. C'est-à-dire, Moutouana a zangi ne sengo ya l'okuta, et sengo to bengi ya vanité éphémère. C'est-à-dire, ceux qui ont lingi ozala, ko ose libéré na. Na vanité à mokili oyo et bongi o rejeté tout ce que toi tu penses et que ça la yo bien o bas masangé ça la kanga bien kobi kobana ba ninga ça la kanga bien, c'est dire vie na yo et zo dépendre na babiloko o et que ceux qui s'écroulé o komi zéro komi à nu o komi donc à anéanti puisque biloko zo ko kangé oza ko luka o kanga manango eza éphémère eza na soubassement makasité ezali malamu kutu o kangama na nzambe, c'est-à-dire il faut ko luka o se détacher na biloko mokili o se détacher na bisengo mokili po kangama na bisengo o ya nzambe o kangama na vie ya nzambe soko za na vie ya nzambe o komona ki akotonsa bisengo na kati ya motema na yo. Et tant qu'on a tout le bas, awa, pour se libérer, n'est-ce pas, na vie à vanité, et bongi, on se détache na biloko ezali vanité, biloko ezali ya mokili, on s'attache na biloko ezali ya makam, makambo ezali ya nzambe, tobo moya nzambe. Ndenge moko pe, et bongi o tambola, n'est-ce pas, na kati ya sagesse ya nzambe, o comprendre que loko na liko sala, et pe sa ange sengo, et bongi mokole ko zate na osuka wapi, dou, et sengo na yo, ezala vraiment basé na loko te, mais ezala basé na nzambe. Parce que nzamba change kate, et loko ozana ngwana peut-être ko changer un jour, moi si ozana ya ko changer, mbali ozana ya ko changer, bana ozana bango lo tuer dans la joie, bakoki pe ko changer ba commune ngi mususu musala ozo kumisa et ko pe ko quitter yo ko ko pe ko sala, donc comment dirais-je, bakoki pe ko bengana na musala wana, mais loko c'est important kangama na nzambe. C'est comme une personne alingi a noyer na kati ya mai azokanga ba matitu za pembe pembe na mai ezanga misisa, puisque misisa longza na kati ya mai ezako ezana ezana su ezama kasite mutwana za na chance akobika te.
Aux en chance ko bika so ki akangami na nzete aux ali vraiment makasi aux ezap vraiment bien comment dit bien donc enraciné mutanda ko bika mais so kesa ka mai ba matiti za pembe na mai e ko biki ça été ou bien akangami ne loko moko bo ezali makasi te e ko biki ça été ça dit pour être sauvé pour se détacher des choses de ce monde il faut tout s'attacher na makambu ya nzambe to tambola na sagesse en Zambé, c'est-à-dire tout reconnaître Makambu avant que Makambu ait quitté Bissau. C'est-à-dire, comme on dit en français, quitter les choses avant que les choses ne te quittent. Comment faire encore pour qu'on se libérer dans la vie à vanité et bon, tout renouveler intelligence na Bissau, tout renouveler connaissance na Bissau. Je connais tout. Donc, na tangi ba livre, na sali boue. Non. Il faut continuer toujours ko luka koye ba epa yanzambe, koye ba biloka mokiliote. Puisque tout ce que tu vois sur ce monde, dans ce monde, sur cette terre, ils allaient créer par rapport à l'idée oyo ba zui na nzambe, puisque c'est Dieu le créateur. Ce que yo au kangami na nzambe, tu seras capable ya ko kamwisa mokili. Tu seras capable ya ko kamwisa bata mokili. Lorsque Yeshua parlait, les gens disaient que jamais une personne, jamais un homme a parlé comme cet homme, puisque il parlait de choses aux ezali peut-être simples, mais biloko aux ezali ko kota na kati ya mitema ba tu directement, puisque les gens voyaient l'intelligence, la sagesse, le renouvellement de son intelligence et puis les renouvellement de ce qu'il disait. Tout ce qu'il disait, c'était pas des choses aux akokende, ndenge moko zaki toujours des nouveautés pour nabatu. C'est pourquoi vous verrez une personne comme Nicodème à Lobi. Comment faire pour kozonga na kati ya libumu ya mama ce que se botama déjà par rapport à nouvelle naissance. Jean 3. Il faut te renouveler un intelligence nabiso, il faut te renouveler esprit nabiso. C'est-à-dire, il faut chaque fois, quand tu médites la parole de Dieu, Bandeko, j'ai dit ça souvent, beaucoup de gens pensent que Toebi Mingi, puisque nous lisons des livres, Bandeko, chaque livre a des tendances. Moutou a commis livre, a tendance, naïe, et il sait pourquoi il écrit ces livres-là. Et puis, il sait aussi à la fin, et là, on a l'ingé à transmettre nabatu. D'où, il ne faut pas qu'on se fie dans Moutouana. Quand je dis qu'il faut lire la Bible est accompagnée avec des choses de Dieu. C'est-à-dire, chaque fois que tu entends la Bible, tu prends le temps aussi de demander la sagesse de Dieu pour comprendre ce que tu es en train de lire. Puisque la Bible elle-même, elle est aussi limitée. Mais l'Esprit de Dieu, comme le Seigneur Yeshua avait dit, il va envoyer, il enverra, n'est-ce pas, l'Esprit pour que celui-ci nous enseigne dans toute vérité. Pourquoi? Puisque la vérité est tellement cachée. Et toi, tu ne peux pas trouver la vérité, ce qui nous amène à pécio accès à la vérité. D'où, ce qu'on a accroché, ce qu'on a vraiment collé dans le Saint-Esprit, par sa parole, il va te révéler des choses cachées que Moutomo qu'il a évité. Comment faire alors, encore une fois, un autre point pour se libérer de la vanité? Il faudrait tous à la ba vrai disciple. Que ceux qui battent ba moni biso bi que oui, celui-là ou celle-là c'est un enfant de Dieu. Même lorsque tu as des problèmes avec des gens, que des gens cherchent des choses likolo na yo ba luka, ça dit faut pas que battent ba mona ma ben na yo facilement. Non, azaka bo non, ça dit faut que luka que ozala modèle, ozala exemplaire na miso ba tout. Ozala un bon témoin de Yeshua. Yeshua dira que ceux qui va bétion en main donc na joue gauche pesa bango joue droite ceux qui mutalinga zo tinique na yo pesa e mibale ça dit pesa e pesa sous nyonso o ya lingi atiko na kimia puisque moi na nzambe aluka kimia. La Bible nous dit que rechercher la paix et la justice et surtout la paix avec tous sans laquelle personne ne verra Dieu. Ça dit ntango lingi kozala kokobima na kati ya vanité et bongi au vivre na simplicité ata ozana bozui ata ozana kimia ko komi sabatu sunetité ko komi ko chola batu ngana sana nga bien. Non, il faut que ça tu ko compatir na passe ya baninga. Il faudrait pas que bozui na yo et komi sa yo neti mutozo nyata batu misusu. Non, faut faire attention.
Je pense que Zali clair ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas question Zali comme d'habitude. Beaucoup me l'a dit, son église le baka, bah email les awana, téléphone pesant, botine un message, tout cousin a été qu'on répondre et bino. Tout autant à quelques bah versets bibliques concordants, ou est-ce qu'on pèse ça soit encore comment dirais-je makasi, il y a qu'on comprendre comment se libérer de la vanité. Philippiens chapitre 4 verset 8 et le bi. Au reste frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ma pensée na bino ezala toujours digne, ezala honorable, ezala juste, ezala pur, ezala aimable, ezala mérite approbation, ezala vertueux, ezala kokumisa nkolo. Et ça, il y a beaucoup mis ça. Et ça, louable. Philippiens 4, 8. Romains 12, 2, le Bible. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Pour nous encourager, Yondeko, Romains 12, 2, au Tangiango. Alors, tu conjures sur un encouragement, Moussoussou, comment faire pour nous quitter, n'est-ce pas, que c'est libéré de la vanité. Colossiens chapitre 3, verset 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Affectionnez-vous. Bomi lendi ça, bozala na bozala focaliser makambozo uta likolo. Et non celles qui sont sur la terre. Parce que ce qui est sur la terre, c'est ce que j'appelle la vanité, les choses éphémères, les choses où ils n'ont même pas na subissance à malunga. Tu crois que constant le corps makambabilo comme beaucoup abstraite, puisque ça n'a pas délai, ils n'ont pas délai. Proverbes chapitre 4 verset 23 le dit. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur. Bomba motema na yo. Nzambe akoti na kati ya bomoi na yo, bomba motema na yo koleka makambu nyonso. Pokuna nde source ya bomoi uta kuna. Motema na yo eza place otie ba enemi na yo te. Bainemi na yo limbisa bango. Motema na yo ezala na jalousie. Motema na yo ezala na ko sepela na pasi ya moninga te. Motema na yo ezala na mawa ya baninga. Motema na yo ezala prêt pona ko aide bato bali ba faible. Motema na yo ezala bisika o nkembo nzambe vandi. Motema na yo ezala na kimia o ezala ute pa nzambe. Motema na yo ezala trouble te pona biloko mokili oyo ko bomba mbongo na kati ya motema na yo te. Bomba Yesu na kati ya motema na yo. Bomba bolamu ya Yesu na kati ya motema na yo. E batu ba mona ngona misala na yo. E pina ndengo zo vivre. E ko pesa esengo. Meme pa nkolo ye moko. Vumana continue pona ko silisa. Totika na 2, 3 versets. 2 Corinthiens chapitre 10 verset 5 ke lobi. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Dieu. Makanisida yo ezala mowumbu ya ko obéir nzambe. Je te dis, ma pensée na yo ezala captive à l'obéissance de Dieu. Nyonso ezali ko pesa yo le fundu lo lendo. Il faut ko bannir ango. Quand c'est que Bola Mouoyo, au Sala Batu, il faut beta ma solo pour payer solo Kumu. Quand c'est que non, Moussala Oba Pesio, et ça Moussala Oyo, au méritant opposa Kito Koto posa Maele. Non. Il faut tout ce que tu penses dans ta tête, et ça Matayo Mouke, et comment dit moi orgueilleux, faut le bac Nyon Sonazango, et où tu es Panzambe. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Yeshua Christ qui vit en moi. Galates chapitre 5, verset 16. Verset chéri d'Anga Yangoyo. Le verset que j'aime tant, Galates 5. Le passage le plus
na koloba même capital pour na vie à mwana nzambe bon méditation chaque jour pour comprendre mon bien quatre passage wana et puis pour ça la bino que ekopesa yo comment dire possibilité ya komita la bisika ndengo zotambola grâce 5 6 c'est l'obiboye. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Solingi osa libérer na vanité et bongi o utiliser Galates 5 ou 16. O tambola selon mon limo pour ne pas, n'est-ce pas, accomplir les désirs de la chair. Avant dernier verset, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31. Soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Non, tu colo bangwa. Matoye le kakamutute. Nyo sozo sala. Ezala pona lokumu ya nzambe. Ata ukabeli batumbongo pona lokumu na nzambe. Osali bolamu pona lokumu na nzambe. Ozwi pona lokumu na nzambe. Ozangi pona lokumu na nzambe. Obeli pona lokumu na nzambe. Obiki pona lokumu na nzambe. Sadi ezala teke ezala même pas objet ya komikumisa ki akoloba ke nungai na zabo puisque non nyonso ozali ata tarato tangi ba classe ya malamu. Ozwi musala malamu. Ozwi bana ya malamu. Ozwi mwasto mobali ya malamu. Tu es à la vraiment fixé na mutu na yo que tout cela est pour la gloire, la grâce et Nzambe. Verset sous catalogue Jacques 1 22. Et le but, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Jacques 1 22. Mettez en pratique la parole. Tout ce que je venais d'énumérer, tout ce que je venais de dire, je pense qu'ils ont vraiment clair comme de l'eau. Vous avez raison que nous comprenons qui bien que je ne pense pas. Ils ont tellement clair. Mais, s'il y a des questions, nous sommes accessibles dans le Bakango. Pour nous, nous avons accepté le numéro de l'Angouana. Pour nous, nous avons accepté le numéro de par la grâce de Dieu, nous avons accepté le pour nous. Sabino, ma réponse selon ce que le Seigneur nous enseigne, que notre roi Yeshua HaMashiach vous bénisse abondamment. Soyez dans la paix du Seigneur. Shalom.